Aujourd'hui, c'était la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture était absolument formidable pour beaucoup de raisons. D'abord, techniquement, elle était réalisée tout à fait parfaitement, vous avez pu le voir. Mais moi, j'irais bien au-delà. On a vu aujourd'hui la jeunesse qui parlait à la jeunesse. Ce n'étaient pas des professionnels sur la piste, c'était des écoles du Maroc qui étaient venues là montrer leurs compétences. C'était des écoles de musique, c'était des écoles de sport, c'était des écoles de chant. Donc c'était la jeunesse. Ça, c'était sur la réalisation. Sur le contenu, on a vu aussi des chansons qui portaient beaucoup de sens pour la jeunesse du monde. Des chansons chantées dans différentes langues. Il y avait l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais, qui véhiculaient des messages de vivre ensemble. Et ça, ce sont les messages du Maroc, c'est le message aussi de l'ISF, celui de faire du sport, certes, mais le faire dans un esprit de compréhension mutuelle, d'interculturalité et de respect de l'autre. Et ça, c'est vraiment des messages auxquels nous tenons. Je tiens donc à remercier vraiment le Royaume du Maroc, avoir le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI. C'est une grande chance pour nous, c'est une opportunité. Et par ce parrainage, on voit toute la vision du développement du sport pour les jeunes générations. Les professionnels au Maroc ont des grandes réussites, comme chacun sait, le football en particulier, mais aussi dans d'autres sports, l'athlétisme et bien d'autres sports. Mais le Maroc n'oublie jamais sa jeunesse. Et ça, c'est le message central qui est porté par ce championnat du monde et que l'ISF porte depuis des années. أو الحفل افتتاح البطولة العالم لكرة بطولة العالم المدرسية لكرة القدم والافتتاح وينعطوه خاصية ديال المدرسة والإبداعات ديال التلامذ إبداعات الفنية موسيقية إلى غير ذلك وما حاول وهذا اللي حاولنا أننا نمزج ما بين التكنولوجيا الحديثة وبخبراء مغاربة مع أساتذة وكذلك تلاميذ في من المؤسسات مغربية فتبين على تتضح لكم على أن المدرسية المغربية فيها إبداعات ويمكن هذه الإبداعات إذا كانت مصاحبة بأمور جدية فإنها تعطي منتوج اللي شفناه دابا لا يعني على الأرض ولا في السماء.